Rick, nous sommes en 1991. On ne peut plus se permettre d'avoir peur des nôtres. Hé, mes petits lascars, vous venez? Je voudrais que vous regardiez cette affiche. Vous voyez le slogan? Des sous pour un toit. Vous savez ce que c'est? Publicité? Ouais, c'est de la pub. Vous me faites un numéro de clown, là? Toi, le clown blanc, et lui, le faire-valoir? Je vous parle du message de ce panneau, ce qu'il représente. Ça recouvre la réhabilitation. En clair, les promoteurs s'attaquent à la valeur des terrains, ils veulent les faire descendre. Hein? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ils font baisser la valeur des terrains. Ça leur permet de les acheter à bas prix, ensuite d'expulser tous les habitants, puis d'augmenter les prix et de revendre le tout à profit. Ce qu'il faut qu'on fasse, nous tous, c'est de se battre pour conserver notre quartier comme il est. Il faut rester black. Pour ça, il faut faire du fric black. Il faut faire comme les Juifs, les Italiens, les Mexicains et les Coréens le font. Oh, c'est pas les émigrés qui font baisser la valeur immobilière du terrain. C'est ces fumiers. Ils se canardent entre eux, ils vendent du crack et toutes sortes de... Oui, et comment il arrive ici, le crack? Des avions, on n'en a pas, nous. Des bateaux, on n'en a pas. Faut pas croire, c'est pas nous, les fumiers, qui, par bateau ou par avion, font venir la défense. Je sais qu'à chaque fois qu'on ouvre la télé, c'est ce qu'on voit. Des blagues? Ouais. Qui deal du crack? C'est vrai. Qui pousse au crack? Ouais. Ouais, qui pousse au crack, je sais. C'était pas un problème quand ça ne se passait qu'ici. C'est devenu un problème quand ça a touché l'Iowa et Wall Street, où là, on ne voit presque pas de noir. Quant à la question des armes, pourquoi il y a un armurier à tous les coins de rue dans notre communauté? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ouais, vas-y. Pour la même raison que vous trouvez de l'alcool à tous les coins de rue ou presque de nos ghettos blacks. Pourquoi? Parce que les blancs veulent qu'on se tue, qu'on se détruise. Ouais. Ça, vous l'avez pas dans les quartiers chics de Los Angeles. Mais en plus, ce qu'ils veulent, c'est notre mort. Ouais. D'ailleurs, le meilleur moyen de détruire un peuple, c'est de lui enlever la faculté de se reproduire, d'avoir une famille. Ouais. Qui sont ceux qui meurent dans nos rues tous les soirs? Vous tous? Oui. Ici? Des frères qui vous ressemblent. Et c'est bien beau, mais quoi faire? Et si un pauvre minable veut m'allumer, moi, en tout cas, je le descends avant qu'il me descende. C'est exactement ce qu'ils veulent que tu fasses. Alors, faut réfléchir, mon frère. Faut penser à l'avenir. Eh ouais, il a raison, hein? Lui.